Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode Hearts of Iron 4 avec le mode new je sais plus quoi. Donc voilà. Ouais voilà, je sais plus. Donc bon, on a fait le premier épisode, j'avais streamé, pas de viewers, donc ouf, on va pas s'emmerder, on va passer en enregistrement normal, on essaiera de prévenir, ou tout un truc, voilà. Donc, on enlève la pause. Alors, le jeu, c'est vrai que pour l'instant, comme on disait en rigolant, c'est encore plus long que HOI 4. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'événements. Hein. Ouais, là, c'est... Ah, c'est marrant, ça, Wismar, il y a la Suède qui a une claim et un corps sur Wismar. Oui, ça peut marrer de l'Allemagne. Chose. Oh... Le crâne touché était machin de truc, autocratie. Décision aveuglable. Gazer political machin truc, hein. Gain sa political stability. Ouais, bon, on va faire ça. Getter political legitimacy. Après ça, l'industrialisation. Ah ah! Alors, c'est qu'il y a un... Ah ouais, ok, we need to find a way to promote... Ok. Expand Berliner pour ceux. Ah, ok. Any still... Ok, ouais, bon, bah, dès que j'ai fini mon espionnage à la con, je vais développer un peu mon pays, là. Donc, recruiting operatives, dans 4 jours... Social stratification sociale. Voilà. Oh là là. Ah, ça rame là. Hop, société industrielle. La panique de 1857. Ils ont déjà cassé les pieds américains avec leur. What can we turn off? Ouais, ok. Monthly population construction speed. On s'en fout. On va faire ça. On va continuer de développer à fond les recherches dans le dans la construction. Projets spéciaux, pas besoin. L'aviation, non. Où est-ce que j'avais vu déjà? Non, là. Ingénierie mécanique. On va plutôt se pencher sur ça un petit peu. Hop, ça, on augmente la productivité. Un opératif qu'on peut recruter. Qui ok, on va repasser. On va monter un réseau là-bas. Est-ce qu'on peut être que... Ah ok, ça faudra que je l'efface là-dedans. Ok, je comprends. Ok. Oh, c'est compliqué. Prussienne industrialisation, on va faire ça. Le caucasien, ouais d'accord. Les Russes, mais quelle violence les Russes! Je ne cautionne pas cette violence excessive. Hop. Click on map. Tac, tac, tac. Ah. Ah, communication. Tac, tac. Est-ce que agency funding, c'est quoi ça? Operative float, ok. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, cet espionnage. Form, recherche et développement department. Plus simple de recherche speed. Ah ouais. Il faut 8 usines, j'en ai pas. Bon. Un armée aux estates. On va faire Prussian industrialisation. Modifier gouvernement. Un nouvel advisor. Research speed plus 3%. Oh. Bon. Oh, recherche speed.
J'aurais pas le choix de voir refourguer Nice à Savoie à la France. C'est un petit prix à payer pour l'unité italienne. Oui. Allez, on va faire. Ça me prend 30 jours. Mais c'est pas grave. Hop, l'espionnage. Hop, alors là ça dit quoi? Bon, ça dit que c'est. Oh, est-ce que c'est lent le début de partie? Pouh, c'est catastrophique. Ça, c'est un peu, je dirais, le défaut des jeux Paradox. Ça commence lentement et une fois que c'est parti, c'est la merde, ça va trop vite. Mais bon, c'est le propre d'un jeu économique, c'est comme ça quoi. C'est que si tu mets un truc avec un rythme. Après, l'avantage, c'est que ça peut se prêter facilement au stream où tu peux discuter, patati, patata. Exactement. Mais c'est vrai que pendant ça, il nous faut qu'on meuble. Un déménagement. Il est con. T'as combien de population? Où est-ce que tu vois les singes? Ah, en haut à gauche. Hein ma population, non, mais j'ai 4,6 millions d'habitants. Ah ouais. Et en manpower? 46 000. Ça va. J'ai 18 millions de population et 169 000 de manpower. Oui. Et je suis peut-être recruté un peu aussi. Par contre, non, il faudrait même que j'édite... c'est lesquels ceux-là? C'est les violets. On va changer leur couleur. On va mettre un truc vert. C'est ceux-là de l'avoir, ça. Ok, la ligne verte. Mission, on va dire tu vas là-bas. Hop. Pour son légitimité, ouais, le war support il est plutôt pas mal, la stabilité nationale plutôt pas mal, outil change -0.04. Oh putain, ah ok, ouais, ça tend à descendre la political stabilité et pour du fait législative power plus 0.87. Berlin entomologie Jerkschricht. Ok, législative power plus 10, j'y prends. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, mais je suis d'accord. Je vais peut-être commencer à décrypter. Je pense que je vais lancer la décryption du. De l'Autrichien. C'est étonné, mais l'Autrichien, clairement. Ouais, 960 jours. Voilà, on va le lancer. J'ai un espion chez lui. Décision, Gazan, arrête, opposite leader. Non, on va éviter ça. C'est tellement... Non. Politique légitime aussi. Non, on va attendre un petit peu. Assis, allez. Pour avancer à l'époque suivante. Ouais, il faut qu'il se perde. Recherche un jour Early Dynamo Generator. Ça, c'est bien. C'est quoi ça? Non. Ah, que ça. Allez, arrête de ramer le jeu. Un event là? Je sais plus. Non, je sais pas ce qu'il y a eu. Ah tiens, l'étran, on va rechercher le Steam Locomotive niveau 2. Ça c'est la recherche.
La recherche, je suis qu'à moins 11%. Oh, Legacy of Clausewitz. Land Doctrine Research Speed, moins 25%. Aïe. En fait, c'est pour dire techniquement, c'est que la Prusse était tellement avancée d'un point de vue doctrine militaire que, en fait, tu vois pas l'idée de changer la doctrine, quoi. Sauf que je sais pas si dans le jeu, ça a un impact. Je sais pas. Berliner Bourse. C'est quoi ce truc-là? Berliner Bourse. Ah, c'est là. Treaty with France. Ah. J'adore la discrétion de ma moitié quand t'es éternue, quoi. La frise s'envolée. On l'entend d'ici. Grave. Description power, non. Allez, on fait de la recherche. Bon, après, j'ai tellement plus d'usines. Je les mets dans le développement de mon espionnage parce que de toute façon, 3 usines, c'est pas que ça que je vais développer. Je vais attendre de me développer grâce à. Tu sais, grâce aux. Je pense aux décisions ou aux trucs comme ça. Parce que là, pouh là là. Donc, le Chinois est galère avec ses révoltes. Oh, ah oui, on regarde ailleurs parce que les Taiping. Taiping qui fut la plus grosse guerre civile de l'histoire. Putain, ouais, c'est complètement touré quoi. Taiping, on fait 3 fois plus de morts que la Première Guerre mondiale. Combien de fois plus de morts? 3 fois plus. Oh. Ah ouais, d'accord. Empire of Greek King. Avec donc, bon, qu'on voit bien que, bon, bah, voilà, quoi, le Tibet faisait partie de la Chine. Ouais. La Mongolie. La Mongolie. Le Taotuba. Bah, initialement, les Kings, c'est des Mandchous. Oui, c'est vrai. Qui ont envoyé le royaume de Chine. Notre division de Big Training. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. C'est quoi ça? C'est mon expérience militaire. Ouais, oui, il faut que je pense à recruter un conseiller en. Tu m'augmentes mon expérience militaire, histoire de commencer à préparer mes divisions. C'est mes divisions de clodo. Comment dire? En fait, j'ai bien compris. Ouais, c'est marrant, c'est quand tu fais par exemple des uniformes, il faut des ressources, des fabriques, des trucs comme ça. Ouais, en fait, ils ont repris des idées de. Comment ça s'appelle? Ils ont repris des idées de qu'il y avait un peu dans Victoria, mais c'est vrai que HEI, ouais. C'est pas un jeu qui se prête à, je pense, à une simulation économique, de développement, tout ça. C'est vraiment un jeu qui est centré sur le militaire. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est vrai que les modes. Un mode comme ça qui apporte tant de trucs, je sais pas s'il est vraiment adapté au jeu. Ouais, c'est pas fou. Ça, on peut le faire facilement sur du Europa. Ouais, du Europa, on peut le faire. Ce que j'aime bien, par contre, c'est... Ouais, comme je disais avec Sirikai, je pense que moi, un truc que tu es en train de me lancer à voir cet abruti de Jay, c'est Stellaris. Je me suis remis à jouer à Stellaris. Oh putain, ce que je me suis éclaté. Parce que c'est vrai que le 4X, initialement, pour moi, mon niveau, c'est mon style de jeu préféré, quoi. En général, ça t'apporte tellement de façons de jouer différentes. Tu peux te la jouer en mode hardcore bourrin, qui est pas trop mon style. Industrialisation. Quoi, un corps bourrin ? Non. Ah non, j'aime pas. Je préfère le côté fourbe et mesquin. Hop. Prussian Stand United, that's great. Où choisir relation. Ah. La Mingredi, où est-ce que c'est ? Je sais pas où c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de taper le Daguestan. Oh là là là, c'est vraiment très très dur à battre comme guerre.
Ouais, mais je vois ça, hein, ils en chient comme des morts, quoi. Les Gaston, les mecs, c'est une monoprovince. Ouais, mais c'est que de la montagne. Ah oui. Mais bon, à ce moment-là, tu coupes, tu passes par le sud des Gaston ou tu les laisses. Mais bon, c'est vrai que l'IA fait pas trop ça. Tu leur fais une pochette, tu les fais traverser, tu coupes au-dessus le nord vers Grozny, tout par là-bas. C'est ça. Et on voit quand même que Saint-Pétersbourg est dangereusement proche de la frontière finlandaise. Ah ouais, bon, après, c'est la Finlande. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est la... J'étonne que les Soviétiques ont pris la Carélie pour sécuriser Leningrad. Ouais, c'est sûr que ça s'entend, quoi. Le stratégique, ta capitale à ce niveau-là, c'est sûr. C'est vrai, quoi, la capitale qui est de l'autre côté de la frontière, quoi. C'est un peu... Tu dis, waouh. C'est vrai que tu regardes, t'as très peu de pays qui ont ça, hein. C'est vrai que Vienne, c'est en plein milieu. Munich, bon, hein, ouais, ils ont pas le choix. Berlin, c'est en plein centre. Hanovre, en plein centre. Bon, on va parler de vrais pays, quoi. Ouais. Oslo, enfin, Stockholm et tout le claclique, on s'en branle parce que c'est des pays qui sont au bord de mer. Ou même Helsinki, quoi, c'est protégé. Même l'Angleterre, je veux dire, Londres est au bord de mer, c'est normal, c'est une nation insulaire, c'est logique. Voilà. C'est vrai que Madrid, c'est en plein centre. Lisbonne, c'est en bord de mer. C'est plutôt centré par rapport au pays, hein. Ouais. L'Ottoman, bon, et Constantinople, c'est logique, c'est le carrefour. Ouais. En général, soit ta capitale, si t'as un pays qui est vraiment marchand, ben, ta capitale est en bord de mer, et sinon ta capitale où est... Où tu prends, par exemple, le Caire, qui est pas en bord de mer, mais en fait, techniquement, en Égypte, hein. Il y a la richesse, voilà, il y a la richesse autour de ça, et après, le reste... C'est ça. Tu regardes la France, bon ben, Paris, c'est sur la Seine. Oh, t'as vu la rébellion en Inde? C'est pas la rébellion des Sipaïs, ça? Oui, c'est les Sipaïs. Public Works. Non, parce que les Britanniques avaient eu la très bonne idée de dire « Bon ben, je vais filer des cartouches aux soldats. » Le problème, c'est que les cartouches, elles étaient ben, huilées, graissées avec de la graisse de porc. Et pour des musulmans, des cartouches que tu arraches avec la bouche, avec de la graisse de porc, ça passe pas trop bien. Ils sont cons, ces Anglais. Hop, on va faire ça. Et là, on va faire... Hop, Early Electric Train. Les premiers trains électriques. Ah. Civil War in Mexico. Bon, pour changer. Encore une. En fait, c'est plutôt notre Civil War in Mexico qu'il faudrait qu'on ait. C'est pas faux. Au tout revenant, il fait un discours. Le peuple va aimer. Ben, c'est bien, si le peuple aime, c'est le plus important. Je peux modifier le gouvernement. Mais moi, ce que je veux faire, je veux un terroriste pour booster mes divisions un peu. Ah oui, c'est vrai qu'après, on peut modifier des trucs. Pff, c'est affreux. En démographique policy, on peut restricter Unverset, ça fait quoi? Monthly population, consumer good. Oh là là, tu peux tout modifier dedans. C'est infâme. C'est infâme. En fait, il est bien, mais je pense que ouais, il y a tellement de trucs à tourner, il est pas fait pour Achoui. Parce qu'on est en début de partie, on est en vitesse 4, quand vous voyez comme ça rame. Regarde les Russes. Quoi? Le Daguestan. Putain, ne dis pas qu'ils sont un... Putain, ils perdent. Ouais, mais si... Voilà. Le truc, c'est que le Daguestan, la manpower... Ouais, c'est ça le problème, c'est que le Daguestan, bah, il va être à court de manpower avant d'atteindre... la rétine. Ah, il est entre 4 et 18 divisions. Vas-y, étends-toi, il va se défoncer. Ouais, tu le laisses épuiser et tu comptes ta guerre. En fait, il y a les frontières, c'est tout. Hein. Moi, je vais redéplacer un peu mes divisions, à savoir celle-là, là-bas, et... ouais, c'est bien, gouvernement de machin truc. Là. Un petit focus militaire, un petit peu.
Bon, il pop quand le meeting de Piombière là? Voilà, et là j'ai 47 divisions sur la frontière. Sur la frontière autrichienne. Je suis prêt à aller le défoncer. Ça va rôter du sang. Et j'ai une mythique de Piombière. Moi, ce que je fais, c'est que je fais les focus pour préparer la guerre contre l'Autriche aussi. Pursue the Dream of Light, ça fait quoi? Ouais. Siemens, Krupp, Borsig, Pushbibugert. Ça qui est chiant avec les provinces des Balkans, c'est que t'as aucune province qui est clairement de telle ou telle culture, c'est tout le temps du mélangé. Là, il y en a une, t'as 52% de Croates et 48% de Serbes, et en dessous, t'as 92% de Croates. C'est horrible les Balkans. Ah bah ça, Royal Marriage. Ah bah tiens, la Russie est fou lui. Il a du mal déjà à gérer. Le Prebisch Birkerkerd, c'est quoi ce truc là? On va faire ça. Après, ouais, je développe l'économie, l'infrastructure, le commerce, tout ça pour l'instant. C'est quoi ça? Non, ça fait rien ce truc là. L'espionnage chalicois, 56% d'Autriche. Là, le Decipher, 584 jours. Perdu du fuel, je sais pas d'où je récupère, mais je récupère les command power. Support, ouais. Je pense militaire 1,36. Il me faut un théoriste que j'améliore un peu mon armée. Mingrelia et Clip Petted. C'est où Mingrelia? Ah bah il a fini Mingrelia, voilà, fini MO Dagestan. Ah, les troupes du Dagestan qui ont chopé Bakou mais qui se sont fait. Coupé en deux, évidemment. Coupé en deux, ouais. Solchi au Caucase. Oh, Mikrelia, c'est là-bas. Donc, on peut modifier le gouvernement. Toujours pas intéressant. Trade dans le commerce, ça c'est bientôt fini. Dans 3 jours. 3 jours, focus militaire est terminé, parfait. Ah, l'Apollo 3 est attaqué par une bombe. C'est le fameux attentat d'Orsini, ça. Ah, je vais prendre ça, le Dreyse Rifle, qui me donne 5% d'attaque et de défense contre le Danemark, et 5% de défense contre l'Autriche, et 15% d'attaque contre l'Autriche. Bon, je vais prendre le... Je vais chercher cette idée-là. Non, je vais pas défoncer l'Autrichien, c'est pas mon genre.
300 points. All the world fair, ça fait quoi de faire ça? Convert to catholicisme, non. Hop, ben on va prendre un théoriste. Voilà, de l'armée. Et là, on va monter ça, comme ça, je vais redésigner mes templates. Et donc, comme j'aurai redésigné mes templates, je vais rouler sur l'Autrichien, d'après mes calculs scientifiques. D'abord, tu auras l'unité du Nord à taper sur le Danemark. Je te rappelle que la guerre contre l'Autriche, c'est 1866. Ouais, et il y avait qui dans cette guerre-là? Il y a eu deux Danemark, ça? Il y a eu quoi d'autre? Bah, d'abord, tu as celle de 64 contre le Danemark, qui permet d'unifier l'Allemagne du Nord. Mmh. Ensuite, tu as celle contre l'Autriche, où ben, les Italiens filent un coup de main aux Prussiens en attaquant l'Autriche dans le dos pour récupérer Venise. D'accord. Et après, tu as ben, 1870, hein, récupérer la Moselle. Dac, dac, dac. Bon, je vais me pencher un peu aussi sur mon équipement. Infanterie, soft attack, baïonnette, ouais, 50. Ah ouais! Gather was support. Le Danemark. Ah ouais, il a le Holstein en vassal, cet enculé. Pour ça, en fait, que je l'ai attaqué. Ah. Hop. Ah, c'est allemand, toi, le Holstein. Hein. Ah, le bah sud, oui. Bon, c'est pas grave, on va pinailler. Avec Lubeck, Lubeck était à qui? Oh, je me fais vieux, moi. Ah, Lubeck, bon, bah voilà. Mais ce bordel que c'était l'Allemagne quand même quand tu y penses. Oh putain. T'imagines si Clemenceau en 1919 avait réussi à démanteler l'Allemagne à nouveau? Mmh. Ça aurait été beau. Oh là là, ce que c'est lent. C'est lent. Ah, j'espère que ça va aller mieux après, parce que pour l'instant, on pouh. Diviser le politicien, bah c'est bien ça, j'ai plus l'effet de diviser enfin politicien divisé. C'est bon signe ça. D'accord. Bon bah l'entrée de plombière, c'est en juillet 58, 6 mois après le l'attentat d'Orsini. Bah, le focus en juillet. Incroyable, j'aurais une usine militaire de plus. J'ai augmenté de 50% la capacité militaire. Mmh. Hop. Ah, je peux recruter un opératif. Oh bien, lui. Alors, on va te recruter. Et on va te mettre en train de monter. Non, je vais peut-être. Donc, tu me disais au Danemark.
Ah, on va le foutre au Danemark. Le Danemark, c'est vraiment une grosse puissance. Ah, et on a eu le Tungdung qui vient de me niquer les oreilles. Donc voilà, on va arrêter l'épisode là. Tiens, je vais lancer ça là-bas aussi. Dans 1372 jours, non, on va attendre un peu. Honnêtement, j'avais presque envie de dire, c'est tellement lent, on n'a presque même pas besoin de mettre la pause. Mais allez, on met la pause. On arrête l'épisode là, les gens. On vous dit donc bye bye et on va se retrouver demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir tout le monde.